Il joue les, les, les jeunes gens jouent énormément avec les visages il y a beaucoup de choses qui passent au travers des expressions des visages et le réalisateur nous dit qu'il va répondre à la question en fait en parlant du processus de casting pour choisir donc les, les, personnages, les acteurs qui allaient jouer tous ces personnages euh, ça a été un, un processus assez long parce qu'ils ont vu euh, plus d'un plus millier de jeunes gens, un millier d'adolescents, euh, et c'était des vrais adolescents. Et il nous dit ça vraiment en opposition avec l'adolescent type que l'on peut voir dans les films hollywoodiens, les films de grands studios. Non, il voulait vraiment avoir d'authentiques. Les adolescents, justement pour garder leur authenticité. Et ça l'a beaucoup intéressé dans la salle du casting, la salle où se passait le casting. À chaque fois que la porte s'ouvrait et qu'un adolescent, donc qui passait le casting, rentrait dans la salle, le simple fait de voir comment ce, cet adolescent ou cette adolescente marchait, se comportait, parlait, lui, ça l'intéressait beaucoup. Il regardait tout, justement tous ces détails euh, qu'il a essayé de garder dans le film. C'est-à-dire que lorsqu'il sentait une vulnérabilité non feinte, une vulnérabilité authentique. C'est est ça qui l'intéressait. Il, il a voulu la garder telle qu'elle et dire ensuite aux adolescents qui ont été choisis de ne pas surjouer, d'essayer enfin de, de jouer leur propre personnage, leur propre, ce qu'ils étaient vraiment. Donc euh, voilà, la, la, la vulnérabilité, le, le charme également qui peut se dégager de la personnalité d'un ou d'une adolescente, c'était... Les aspects qui l'ont intéressé et qui ont fait que, euh, que, les, perso que, les, que les personnages ont l'air si réels. Et c'est également pour cette raison, en leur demandant d'être le plus naturel possible, euh, qu'il euh, c'est pour tout ça en fait pour toutes ces raisons là qu'il a décidé de s'attacher à filmer au plus près des visages et de faire passer toutes ces émotions là au travers des visages des adolescents en question. And uh, what about the second question? Uh, was it uh, difficult for the actors to work to, to make so many emotion go through their faces and their facial, facial expressions? Hmm. Well, I, 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 I guess that taking them as, as they were, and um, I, you know, I think that to a large degree, the people on on the screen in Ham on Ride they sit in between actor and non actor. Uh, it's interesting. The people in Los Angeles, the young people who go out for films, is they they claim to be actors, and many of them uh, professionally are. But there's a large degree of. Uh, I I know that a lot of people involved in the film already have gone on to do other things. They were young, and their parents were telling them to to try out, out acting. So you have these people with um, a professional ethic. Um, but they're just kids and they're just themselves so i don't know if it was hard for them to embody what body these things and, and do these things on their faces i, I think that i really was uh, as i said before taking them as they were trying to honor what i already saw in them so um, my goal wasn't to make anyone strain themselves to do something when i was working with such young people who had little to no experience with, with acting Oui, en fait, il nous dit par rapport à la deuxième question que je vais traduire, du coup, euh, est-ce que c'était difficile pour les comédiens, euh, est-ce que, en tout cas, c'était difficile pour les comédiens, difficile pour lui de. De mener les comédiens à exprimer beaucoup de choses au travers de leurs visage, de leurs expressions. Et il nous dit qu'en fait, pas vraiment, parce qu'il euh, y a toujours une ligne assez, assez fine qui, euh, qui sépare les comédiens des non-comédiens, en tout cas les comédiens professionnels des comédiens non-professionnels. Et dans une ville comme Los Angeles, Los Angeles est une ville évidemment où sont concentrés euh, quasiment la totalité des studios de tournage américains, des, des, des sociétés de production, etc. Et il y a énormément d'acteurs en devenir et de, de, de personnes qui essayent qui essaieront parfois toute leur vie de devenir comédiens euh, que finalement tout le monde est entre guillemets, tout le monde est un acteur euh, à los angeles et, euh, et quelque part il nous dit que euh, tous les comédiens euh, qu'on a vus euh, que vous avez vus aujourd'hui dans son film dans hammond rye eh bien en fait de, de, de pas mal de ces personnes-là, de pas mal de ces adolescents, il euh, y en a pas mal aujourd'hui qui sont devenus euh, comédiens vraiment, qui ont déjà commencé à tourner dans d'autres films, euh, voilà leur carrière a déjà euh, décollé. Euh, donc ils avaient aussi une espèce d'éthique professionnelle qui était déjà là, ils savaient déjà faire des choses, mais en même temps, il le, il le dit lui-même, c'est vrai, ce sont des adolescents avant tout, et, et c'est ce qui l'intéressait, c'est ce qu'il a vu dans ces adolescents-là, ce qu'il a vu dans leur comportement, dans leur euh, de, de leur personne euh, finalement qui les a intéressés. Et donc quelque part il n'a pas essayé de les pousser à jouer un rôle de composition c'est pas ça qui l'intéressait c'était vraiment de les prendre et de les garder tels qu'ils étaient tels qu'ils sont donc voilà c'était eux-mêmes donc finalement ils n'ont pas eu vraiment à jouer plus que ça pour... encore une fois il parle des expressions du visage bien sûr que ce soit le plus naturel possible une autre question monsieur bonjour euh, je me posais la question par rapport au, au fait que vous soyez en compétition ici à, à Deauville. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que réalisateur Est-ce que vous vous y attendiez euh, Est-ce que vous connaissiez déjà le festival avant enfin, voilà, Par rapport au fait euh, d'avoir votre film en compétition, qu'est-ce qu que ça vous fait The question is about the fact that your movie is actually in the competition here in Deauville. How do you feel about it? Um, it was—I I, guess—it's not the first time movies in competition somewhere. And uh, did you hear about this festival before? And uh, maybe you can talk a little bit more about that. Well, I, I've had a number of colleagues and friends and filmmakers that I admire uh, screen here, uh, innumerable actually. But I, I actually did not know about this festival b before. Um, we received the invitation. Um, th I, I think that I should mention then that my first public screening was only in February of any film I'd ever made. So I'm, I'm, I'm pretty new to, to a lot of um, these processes. Um, how do I feel about being in a competition? Um, strange. I think it's pretty weird to be competing against other films that um, are fantastic. And uh, yeah, I, I don't know. I, I'm not a very competitive person. Uh -huh. um, yeah. Alors tout d'abord j'ai pas mal de collègues nous dit Tyler, euh, d'amis ou euh, également de cinéastes que j'admire qui, qui ont été euh, euh, dont les films ont été présentés ici dont les films ont, ont d'ailleurs euh, été en compétition ici auparavant mais ceci étant dit je dois vous l'avouer nous dit-il, euh, non il n'avait pas entendu parler du festival de Deauville avant d'avoir de, été sélectionné à ce festival-ci euh, euh, mais il nous rappelle également qu'il est, est quand même nouveau dans le circuit c'est-à-dire que la toute première projection publique d'un film qu'il a fait, c'était en février dernier. Donc avant, avant, le mois de février dernier, il n'avait jamais fait voir aucun film à personne. Donc voilà, est, il est vraiment, c'est tout nouveau pour lui. Et il nous dit également que. Par rapport à la question, donc quel effet ça vous a fait d'apprendre que le film était en compétition C'est étrange pour lui, c'est étrange parce que lui-même n'est pas une personne, il n'est pas très compétition, quoi. Voilà, essayer de gagner quelque chose, c'est pas, c'est pas son truc. Enfin jusqu'à maintenant. Et donc c'est un peu étrange, quoi. Voilà, il sait pas encore, il est content, il est ravi, mais voilà. Une autre question, ou pas, monsieur deux petites questions. Euh, la première, je, on se posait la question sur la traduction exacte du titre. C'est la première question. La deuxième question qui m'est venue là à l'instant, c'est vous avez parlé d'un casting de mille comédiens et est-ce que vous avez, à la rencontre de ces mille comédiens, enfin, de certains d'entre eux, est-ce que vous êtes venu à, à l'idée de créer des scènes additives ou est-ce que le scénario s'est généré par rapport aux comédiens rencontrés ou alors est-ce que ces comédiens rencontrés vous les avez rien inséré dans votre scénario pré-écrit. OK. Actually two questions and the thing is the first question I I think it's more like to me to answer because it's about the translation of the title. So I will I will go on that. By the way there is no link with Bukowski, right? Non, right, Ok. Euh, alors, je vais d'abord en fait répondre à la première question. Plus, euh, il ne parle pas bien français. Euh, ham and rye, en fait, ça veut dire jambon sur pain de seigle. C'est-à-dire, c'est une expression assez connue aux États-Unis. C'est le sandwich pas cher, quoi. Voilà, c'est le petit sandwich qu'on mange comme ça. Ça, ça, veut, ça veut juste dire ça. Ça veut, ça veut rien dire d'autre. Euh, et, et ça n'a pas de rapport avec le, le titre du livre du même titre de Charles Bukowski, qui est traduit en français par Souvenir d'un pas grand chose. Mais ça n'a rien à voir. Sociétant de côté. yeah, the second question is about you talked about the casting and that you saw around a 1,000 people uh, to play the roles. And the question actually was, uh, what about the script and the casting process? I mean, did you actually um, put everybody that you chose right there in the script? It was done already. You already had all these characters, about 100, something like that, in the script. Or did the casting process had an influence on the script? Did the script change after the casting process? Right. Thank. Thank you for the question. Um, it, it, it was certainly interactive, uh, meaning there was a communication between the people we were bringing in and the script. They were um, playing off of one another. Um, we had our fair share of uh, primary characters that we we knew we'd be following, and. Um, uh, that was the more scripted elements. You could see characters like Haley or the boys with, with the one with the crutches and whatnot. These people, they were set in stone in, in a way. But we had this, we had this um, philosophy while making this film where we said no one is an extra. And we looked at f a film called McCabe and Mrs. Miller by Robert Altman as an example of a film where I believe the people who are considered background talent on that film were in character for like two months uh, it's just absurd practice and he wanted to capture and he used a lot of improvisation he wanted to capture everybody in this community to really tell the story about a community and um, i love this i thought it was I, th I think that's brilliant i think that's beautiful so i wanted to employ the same tactics so a lot of the script was form formulated on the people we were getting in to fill these spots of Essentially, the the core of this town. Hmm. Yeah. Uh, I didn't, by the way, get the title of the movie by Adman. McCabe and Mrs. Miller. It's a fantastic movie. It's uh, incredible. Maybe his his best. Maybe. Maybe it has a French title, wow. <laughs> but uh, you know whatever. Uh, Ça a été assez interactif, en fait. C'est vrai que euh, je ne sais plus qui a posé la question. C'est Monsieur. Voilà. voilà. Ça a été assez interactif. C'est vrai que les, le casting a pas mal influencé l'écriture du scénario ensuite. Mais euh, alors voilà, de quelle manière C'est-à-dire qu'il y avait tout d'abord certains caractères, on va dire certains personnages principaux, qui étaient. Euh, un peu, nous dit-il, qui était un peu inscrit dans la pierre. Eux, on savait, c'était très écrit pour ces personnages-là. Hayley, euh, le jeune homme avec ses, euh, avec ses béquilles, etc. Ça, ils y étaient là, ils n'y ont quasiment pas touché ensuite. Par contre, il y a eu beaucoup une myriade de, entre guillemets, de personnages secondaires euh, qui, effectivement, euh, ces personnages-là ont beaucoup, beaucoup, pas mal changé, pas mal ça a été pas mal modifié en fonction des personnes, des personnalités euh, qu'il a pu découvrir euh, au moment du processus du casting. Et il nous dit euh, qu'il avait en fait une, une, une philosophie qu'il a appliquée au tournage du film et qui était que personne n'est un, un extra c'est-à-dire euh, je ne sais plus comment on dit en français mais les, les, les personnes qu'on emploie en général au cinéma juste pour passer derrière de passer devant un truc comment oui une silhouette figurant voilà qui qu n'y pas de figurant qui avait vraiment que des Personnage. Et il nous dit par exemple qu'un des exemples qu'il avait lui en tête, c'était l'exemple d'un film réalisé par Robert Altman. Le titre anglais, c'est McCabe et Miss, Mrs. Miller. Euh, je ne sais pas s'il y a un titre français, je ne sais pas. Mais donc en tout cas, voilà, c'était le film qui intéressait parce que sur ce film-là, eh Robert Altman avait la même philosophie. Et même pour les personnages qu'on ne fait qu'entrevoir dans le film, il y a eu une préparation de deux mois. Euh, il y a eu un, un travail sur le personnage, sur son histoire, sur tous ces personnages-là pour que chaque personnage ait vraiment une, une vraie une vraie vie même si on la perçoit pas à l'écran on la perçoit quand même et donc c'était aussi sa philosophie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de figurants mais que des personnages avec, des, 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 euh, avec un vrai passé avec une vraie histoire et euh, voilà qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait des figurants mais que chaque personnage existe vraiment dans le contexte évidemment du film et de, et de l'histoire et voilà. Et je crois que l'heure est maintenant venue pour nous euh, d'arrêter cette conférence de presse. La conférence de presse est maintenant terminée. Thank you very much. Vous pouvez de nouveau applaudir, Tyler, Thank you all Tamina. so much for coming.